Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on va entamer ensemble un tout nouveau Wolfu, celui de Company of Heroes Opposing Front. Et on va s'attaquer à l'une des deux campagnes. Donc on va s'attaquer en priorité à l'opération Market Garden. Nous incarnons des Allemands durant cette opération. Et je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Donc la première mission s'intitule Walkeace. Walkeace, Pays-Bas, 17 septembre 1944. À 8 km d'Arnon. Le camp de groupe Lair se prépare pour un exercice d'entraînement en cette journée de septembre au ciel dégagé. Il faut savoir que le jeu, depuis que Sega a récupéré la licence Company of Heroes, est totalement passé sur Steam, donc tout ce que j'avais dû préparer avant, bon, vous les verrez pas. Hein. Donc là, je recommence tout à zéro sur la version Steam, non plus sur la version en boîte. Disons que pour multi c'est pratique, ça facilite, mais bon, c'est faut tout re-télécharger, donc parfois c'est un peu gênant. Mais bon, c'est pas trop grave. Hein. Donc, Walkeace. Et je vous laisse avec la cinématique d'introduction. Während der letzten fünf Jahre hat das Dritte Reich mit seinem Begehren nach Lebensraum fast ganz Europa beherrscht. All das ändert sich. Sieh dir das. Was machen wir bloß? Wie bilden sie aus? Was sonst? Papa a toujours dit que tu étais un optimiste. Ces gamins et ces vieillards sont des bleus. Ils n'ont jamais tiré de leur vie. Et pourtant, l'Allemagne ne peut rien nous fournir de mieux. Profite de la guerre tant que tu peux, Wolfgang. Parce que la paix, ça va être l'enfer. Tu te souviens de ce que disait maman? Fais de la terre ton paradis. Si c'est ça le paradis, petit frère, je voudrais vraiment pas voir l'enfer. Au poste de combat! Écoutez, Kampfgruppe, utilisez les canons de DCA et descendez les appareils ennemis. Section parée. Utilisez cette arme contre... Donc nous voilà tout de suite à tête des troupes allemandes hein, durant cette opération. Batterie anti-aérienne opérationnelle. Zébrez le ciel du traçant. Avion en approche. Feu à volonté. Nous sommes prêts à intervenir. Saut dans le périmètre. Notre base est attaquée. Youhou! Les hommes ont envie de se battre. Il faut savoir qu'opération Market Garden, pour situer un peu le contexte, c'est l'opération... La plus grande opération aéroportée de l'histoire, encore de nos jours. Et donc, qui est la plus grande opération aéroportée de l'histoire dit qu'une campagne bien évidemment un peu exceptionnelle qui nous attend. Et nos chères troupes du camp de Gruppen. Il y a une batterie de DCA à servir là-bas. Section d'infanterie prête. On se met en route sur cette opération. Ont un moyen de gaon assez spécial. Hein. Nous sommes prêts à intervenir. Soit un bonus offensif dans lequel vous améliorez précision avec un autre tir de ses armes. Soit un bonus défensif, vous améliorez sa résistance et sa vitesse. Moi j'adore plutôt offensif, donc je vais mettre tout dedans. Des formations de chasseurs-bombardiers sont en approche. Et s'en prennent à notre Kampfgruppe. On a perdu le contact avec le QG du Field Marshal à Arnhem et avec les autres commandants de la division. On dirait que les Anglais et les Ricains ont visé nos communications en premier, comme le jour J. Le Kampfgruppe Leur va défendre Wolfetze en attendant que le contact soit rétabli. Il faut envoyer les Panzer Grenadiers servir les canons anti-aériens à ces positions. J'ai pris l'initiative de rappeler les véhicules légers du 113e Régiment pour repousser les commandos.
On doit alerter le commandement de la division et le Major Général Foss. Si l'ennemi largue des parachutistes en plein jour, c'est forcément plus qu'une simple attaque. Il faut rester fort. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Préparez toutes les positions défensives. Déployez des écrans de sécurité pour intercepter leurs coups d'assaut. Et défendez les positions de la Flugabwehrwaffe. Et là, je récupère les canons que je peux, hein, en cliquant dessus. Où s'est-il crashé, ça? Alors, pour information, il faut savoir que... Gans... nous contrôlons quand même les troupes d'infanterie d'élite un peu allemande, hein, les troupes de déplacement mobile. Toute cette armée en fait repose énormément sur ceci justement. C'est la vitesse de déplacement. Donc beaucoup de véhicules, beaucoup de troupes comme ça. Et ça va énormément se baser dessus. Et on possède que très peu d'unités d'infanterie en contrepartie. On ne possède que, si on peut le dire, les Panzergrenadiers. Bon, les Panzergrenadiers sont vraiment géniaux, donc honnêtement, on se rend pas compte qu'ils sont faibles. Mais bon, faut préciser tout de même. Ah, c'est... un avion. Et nous avons droit à différents types d'armes, dont le load Jaeger 43. Moi personnellement, j'aime bien voir ça. Étant donné que c'est un load de grenades anti-char en fait. Et ensuite, cette unité allemande, dont plutôt cette faction, a une particularité, c'est que c'est l'une des seules à pouvoir transformer des bâtiments en postes de soins. Je vais illustrer ça par un exemple. J'espère qu'ils sont au sol, sinon ça va chauffer. Donc vite fait que j'ai ce bâtiment là. Je peux améliorer ça en centre de soins et toutes mes unités à proximité pourront se soigner. Ça remplace les casernes de campagne de certaines factions, mais ça a un défaut. Parce qu'il faut bien que ça a des défauts. Hein. C'est que... Oula. Non, on n'a pas battu. Le défaut de ceci, c'est qu'on peut pas recruter d'hommes en fait dans ces bâtiments et envers les autres factions. Donc en multi, ça permet de garder une omniprésence des troupes en bon état vers l'ennemi. Mais faut pas oublier le fait que vous pouvez pas y recruter, que vous pouvez pas en recruter une nouvelle de troupes. Donc faut mêler un peu les deux pour que ça soit vraiment efficace. Je me pose quand même cette question-là dans les paramètres. Bon, je me demande si je me suis pas planté de paramètres en fait de configuration. Si c'est le cas, j'en excuse tout de suite pour la vidéo. Hein. Je m'en rendrai compte pour la mission suivante. D'ailleurs, en parlant des vidéos, sachez que je vous mets le Wolfou de Company of Heroes là. Je continue aussi le Let's Play que je fais à côté sur Company... sur... pas sur Company of Heroes 2, mais sur Crusader Kings 2. J'essayerai de vous mettre les deux, toujours un peu d'épisodes chaque semaine des deux séries. Et you. Oui, il y a beaucoup de crash d'avion, c'est normal. Alors, un petit conseil, moi je les ai tous pris, les canons, parce que, voilà, pour montrer qu'on peut les prendre. Mais il est plus efficace, à part les canons là, ici et ici, que je vous conseille de prendre, les autres, je vous conseille de les laisser à l'IA, parce que ça vous prend de la population en fait.
ou avant vous construisez plein d'infanterie. Ce qui est aussi une technique, comme ça vous avez déjà toutes vos unités d'infanterie. Donc vous pouvez vous défendre face à l'ennemi. Et c'est plus qu'une formalité en gros de défendre. Donc, ouais, je vous le dis à l'avance. Que mine de rien, c'est... moi ça m'a surpris au début que j'ai fait cette mission, mais une fois qu'on sait ça, ben, qu'on sait que c'est que ça marche comme ça, ça marche tout seul. Alors, les petites voitures SDK, ben, une fois levées en attaque, elles font vraiment mal. Ont un gros point fort, c'est qu'elles sont rapides, tirent très vite, et elles sont très efficaces contre tout ce qu'ils volent. Donc les parachutistes, les avions, ça... ça fait une bonne petite dessert de proximité. Un gros défaut... là, le canard de quoi? Voilà. Mais un gros défaut, c'est en résistance, étant donné que c'est des véhicules assez légers, ils n'ont pas de résistance vraiment énorme. Elles se font rapidement quand même exploser. Oups, j'ai pas vu. Il y en a de ma base. Yep. Mais ça reste vraiment dans la doctrine vraiment du, de cette armée où c'est mobilité, énormément de mobilité. Une bonne puissance de feu d'ailleurs avec la mobilité, mais une résistance un peu au second plan. Là. Ça fait mal. Je sais, prochain débarquement il y a lieu. Parce qu'en fait ils attaquent un par un les positions là. Il attaque déjà la première ligne, puis après il s'occupe de ceux de derrière. Enfin, c'est que je sais jamais en fait où ils, dans quel ordre ils les font. En fait. Plus que 2 minutes 30. Donc doute, je vais mettre... disons que les positions en fait à mitrailleuse, c'est pas un endroit qui pose le plus gros problème, hein, faut être honnête. Voilà, les canons de flak 20 mm, c'est pas un endroit où ça pose vraiment problème les assauts. C'est plus contre les positions de 88. Qu'on a... c'est pas trop grave parce que le canon en fait est inutilisable une fois qu'il y a... qu'il n'y a plus qu'un homme dessus. Et en, plus, qu'il n'y a plus personne dessus. Bon, alors revenons un peu aussi aux troupes que Panzer Grand Couponner. Guerre. J'ai du mal à le dire, je m'en excuse. C'est que leur infanterie, comme je dis, avec les Panzer Grenadiers, mais vous pouvez en appeler trois différemment. Les standards. Les infanteries, les grenadiers d'assaut avec des fusils d'assaut. Et les un peu moins costauds, les grenadiers. Un peu moins efficace surtout contre l'infanterie que ceux équipés d'un bazooka. Il faut savoir que ceux de base peuvent être équipés de même armement que les autres, donc au final ça revient un peu trop au même. Donc c'est... on a assez limité mais ils sont assez polyvalents. On a des grenades incendiaires comme leur nom indique qui permettent de cramer le bâtiment sur la durée. On a des postes de soins, ils peuvent courir. Mais vous verrez bien dans, par la suite hein, quand je vous montrerai les autres unités d'infanterie. Overure efficacité.
Oh, pas vu. Je sais pas pourquoi je sais. Les postes du Kampfgruppe Leer signalent une suspension de l'activité ennemie. On a vu d'autres planeurs déposer de l'équipement lourd pas loin. Soit les Rosbif se retranchent, soit ils préparent une offensive, Hauptmann. Les commandos vont sûrement tenter une percée jusqu'à Wolfetze. Le contrôle de la voie ferrée leur donnerait une base pour attaquer Arnhem. On va envoyer le Kampfgruppe établir des défenses à ces points stratégiques le long de la voie ferrée. Frangin, maintiens ces 88 en service et descends tous les véhicules que tu vois. Il faut équiper les Panzer Grenadiers de Panzer Schreck pour améliorer leur puissance de feu. Aucune unité britannique ne doit dépasser Wolfetze. Bon, compris. Et nous savons maintenant qu'il y a des... Message en provenance d'un secteur avancé. Nous avons repéré trois flâneurs ennemis en formation. Prenez leur position. Les Anglais vont farouchement défendre leurs flâneurs. Détruisez-les avant qu'on ne soit submergé. Oups, c'est tiré un peu trop à... Et les unités anglaises, bon, vous pouvez en voir quelques-unes là, mais je vous prends un truc un peu plus en détail dans, dans la campagne anglaise. En gros, pour faire un résumé, vous pouvez envoyer des planeurs avec eux dans leur doctrine. Et dans certains planeurs, vous pouvez envoyer des planeurs de commandement qui vous permettra de produire, par exemple, des mortiers, des mitrailleuses vers l'ennemi. Et bien évidemment, vous en doutez bien, c'est légèrement problématique quand l'ennemi peut établir une position défensive. Bon, vous envoyez des véhicules... Et ça ne pose plus problème. Faut dire honnêtement ce qui est. Mais ça évite qu'il soit quand même trop puissant. Mais contre des personnes qui jouent énormément infanterie, la doctrine là fait vraiment très mal. Surtout qu'ils ont des commandos qui sont une terreur d'infanterie. C'est... C'est vraiment gênant, faut dire ce qui est. Alors, comme j'ai commencé à dire, maintenant je reviens à ça. Excellent travail, Mein Kampfgruppen. Hoffmann-Berger, les planeurs sont neutralisés. Laissez absolument empêcher les forces ennemies de percer nos lignes. Laissez autant que possible les canons de DCA à vos alliés. Comme ça, vous pouvez avoir plein d'unités d'infanterie. L'avant-garde signale des jeeps ennemis sur la route. Ils vont tenter une percée à la gare. Comme ça, vous pourrez avoir plein d'unités d'infanterie, vous pourrez récupérer les 4 mitrailleuses qui sont ici. Une ici, une ici. Moi, ce que je conseille. Merci, et un objectif secondaire, c'est laisser passer aucun. Bon, ça, ils l'ont pas encore dit. Hop 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 hop. Toi tu détruis ça. Le
Vite, vite, vite. Et là, j'ai eu du bug. Là. Et vos unités gagnent du vétéran aussi là quand ils réparent. Par exemple, une unité ennemie qui tue à côté, vu qu'ils sont au combat, à force ils gagnent du grade aussi. Si vous accompagnez au Furoseux, vous en rendrez plus compte sur ce jeu là, c'est un peu plus intuitif. Hein. Ça va plus appel à la logique en fait. Ouais, je me rappelle, il peut me passer par où. On va passer par le côté là. Se dirige à l'ouest de notre position et devrait bientôt atteindre Wolfeze. Voilà. Il faut savoir que un gros reproche que je fais quand même à ce DLC plutôt à ce standalone, il faut quand même dire ce qu'il est. C'est que vous voyez les unités là, par exemple on va dans une Jeep, il y a des unités camouflées comme ça. Mais quand on prend la doctrine justement planeur, nos unités ne soient pas déguisées comme ça. Là, par exemple, on va voir dans les jeeps, si vous faites attention, ils sont camouflés comme ça. Vous voyez? Et j'aurais aimé en fait avoir des unités, quand on prend la doctrine planeur, que ce soit tous des unités comme ça en fait dans les véhicules. Moi je trouve que c'est quand même stylé des jeeps avec des trucs comme ça. Transmettez-nous nos ordres. Ça certes c'est un détail, mais voilà, c'est, si je devrais dire un défaut pour un que j'ai sur le jeu, ben, à part ce petit défaut là de skin que je reproche. Je me charge de la mitrailleuse. Vous amenez-nous là-bas. Le mine de rien, c'est que je serais parfait. Hein. Ça serait pas un jeu, hein, ce qui est, je vais toujours bugger à un certain point. Le secteur est sous contrôle. Avancez vers la prochaine cible et confirmez votre position des jeeps. En plein burger, les jeeps sont encore de route. Elles se trouvent de l'autre côté du village, à l'est de notre position actuelle. Vous connaissez la chanson, en formation et en route. Allez, allez, voilà. Formez les rangs, soldats. Panzer, grenadier, on se fait attaquer. Protéger quand même tous les canons. Hein. Échouer. Nous avons une nouvelle fois vaincue. C'est là que vous voyez l'utilité des améliorés justement en offensif, c'est que quand vous redemandez de faire un truc sur contre quoi ils sont efficaces, vos véhicules. Ils le font très vite en fait. Mais ça demande d'être vraiment très prudent avec eux. D'éviter qu'elles se fassent trop vite dégommer par exemple.
la mitrailleuse. Vous amenez nous la main. On est prêt à passer à l'attaque. Ah, normalement, ils vont passer ici. Section je crois qu'ils vont essayer de passer maintenant par là. On se plantait de quel côté derrière. Et un signe anti-aérien décerné. Bien joué. Toutes les jeeps ennemies ont été neutralisées. Demandez par radio au commandement de la division à Arnhem de se mobiliser en cas d'une autre attaque aéroportée. Nous avons donc accompli cette toute première mission de l'opération Market Garden. Nous aurons aussi tous les objectifs principaux et également l'objectif alternatif qui était de neutraliser toute l'Égypte, donc on a eu un signe anti-aérien. Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo en tout cas. On reprendra suite la semaine prochaine, et oui, je sais, une vidéo par semaine pour ce walkthrough, ça, c'est dommage, mais bon. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes content que je reprends en tout cas mes walkthroughs, et que vous continuerez à me suivre en tout cas dans ce nouveau walkthrough, dans ce nouveau périple ensemble. D'ici la prochaine fois, je vous dis portez-vous bien et vive le jeu vidéo.